be like, there she go. I be like, there she go. She can't stand these hoes. She don't even know. She the only one I want. She don't know. Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo débriefing. J'espère que vous avez passé une bonne journée ou une bonne soirée ou peu importe. Aujourd'hui on fait une débrief joyeuse hein, quand même, une débrief comme joyeuse parce que quand même ce match, je vous dis vraiment ce match là, j'étais au bout de ma vie. Ce match là a été compliqué parce que on voit une équipe de Toulouse qui était vraiment impact et qui était déterminé. Ils sont 12e, ils sortent d'une zone de relégation là où Toulouse veut se maintenir et aller plus loin, c'est-à-dire monter au moins jusqu'à la 9e place ou la 10e place. Toulouse essaye de sauver sa saison. Pour le moment, Toulouse a sauvé sa saison puisque Toulouse ne va pas descendre en Ligue 2, ça c'est sûr et certain. Non, il ne devrait pas arriver que Toulouse descende en Ligue 2. Mais Lyon a fait le match qu'il fallait. Moi, j'aime bien quand ça se passe bien comme ça. Je kiffe, franchement. Tout ce que j'ai à dire, c'est juste regardons le championnat, regardons même le classement ensemble, parce qu'on va regarder le classement ensemble, les amis. Parce que quand vous voyez le classement, regardez Lyon, ils sont, comme vous le voyez bien, Lyon sont 6e, attention, 6e. Hein, on vient de loin, Lyon vient très très loin, puisque... Rappelez-vous que Lyon était 9e à un moment donné, était 10e. Et on se disait déjà, c'est foutu, Lyon va jamais terminer 5e, ne va jamais terminer 4e. Là, ça commence à changer. Ça commence à changer dans le sens que il y a des équipes qui craquent, comme Lille, comme Rennes, qui commencent à craquer. Donc, tout est possible dans le football. Tout est possible. Moi, je dis tout est possible. Un match comme ça n'est jamais fini tant que l'arbitre n'a pas sifflé. Tant qu'il n'a pas sifflé, le match n'est pas fini. Donc voilà, moi je dis que ce match-là, il était fantastique. Puisqu'on voit Toulouse qui se bat, qui domine le match, qui donne tout. Et qui à un moment donné, qui a failli marquer son deuxième but, qui a failli tuer le match. Puisqu'il rate beaucoup d'occasions, les Toulousains. Et Lyon a tenu, a subi. Jusqu'à la dernière minute que moi je priais cette minute-là. Je me suis dit, celle-là, cette dernière minute, elle est pour nous. Elle est pour nous, cette dernière minute. Elle était pour nous. Je ne voyais pas Toulouse faire quelque chose. Je me suis dit, Toulouse, ils vont craquer, ils vont se fatiguer. Et bien, la dernière minute est arrivée qu'un Toulousain a voulu faire la passe en retrait. Et Charqui était là, a pris la balle et a percé dans la défense. Et le petit centre et la casette, même la casette, on va dire que la casette, le but est à la casette, mais normalement, le but n'est pas la casette. Il est au défenseur qui a tiré contre son camp puisqu'il a essayé de tacler, mais le ballon était déjà dans les buts. Il ne pouvait plus rien faire, donc voilà. Moi, je dis ce match, il est référence. Si Lyon termine dans les 5e ou 4e, c'est ce match-là, c'est un match qui a lancé Lyon puisque là, c'était vraiment dur. Une équipe de Lyon qui luttait à plus à Toulouse, hein, avec les supporters toulousains qui étaient motivés, etc. Et tout. Non, mais là, c'était dur. Même moi, je me suis dit... Un match nul, je regardais le championnat et je me suis dit, match nul, on s'en sort bien. Les Lyonnais vont revenir à Lyon avec un match nul, on s'en sortira bien. Certes, voilà, ils se sont battus les Lyonnais jusqu'au bout, c'est ça que j'aime. Moi j'aime quand c'est comme ça, quand ça se bat comme ça, Dugnac. Malheureusement, la Coupe de France, on n'était pas capable de jouer comme ça en Coupe de France. On a craqué, on a pris un but, on a perdu. Bon, on ne va pas revenir sur le match de Coupe de France, on reste sur le championnat. Lyon devrait finir 5e, au moins 5e minimum. 4e, on va dire, sur un malentendu, que Lille ne joue pas, et Monaco, puisque Lyon va jouer contre Monaco bientôt. Si Monaco commence à faire des matchs, il nous l'a craqué un peu, je pense que ça pourrait le faire. Donc bon, voilà, aujourd'hui, c'est un vendredi fantastique, extraordinaire, un match de Lyon. Que Lyon n'a pas craqué, a tenu malgré les joueurs, les attaquants de Toulouse qui n'arrivent pas à marquer un but, qui font tout pour marquer un but et qui n'arrivent pas. Donc moi je dis que bon voilà, aujourd'hui on ne va pas dire qu'on est chanceux, c'est qu'on s'est battu, on a eu la chance d'avoir une erreur toulousaine pour marquer un but. Parce que là, si Toulouse ne fait pas une erreur, là c'est sûr que c'est le match nul pour Lyon. Donc voilà, moi je dis chapeau pour Lyon et chapeau pour Toulouse. Mais, je dis bien, il y a toujours un mais. Le match le plus dur maintenant, parce que là, on a passé un bon étape.
Maintenant, le match le plus dur, ce serait contre Marseille. Bon, maintenant, Marseille, l'équipe préférée, je kiffe cette équipe de Marseille. Ah, si on gagne contre Marseille, même 1-0, c'est bon. 2-0, c'est demandé trop. Mais bon, Marseille est quand même en forme, parce que quand même, Marseille est troisième du championnat. Aujourd'hui, à l'heure que je vous parle. Donc, 2023, je dis que Lyon, en 2023, est pas très... Est 50% de son énergie, puisque Lyon n'est pas qualifié en Ligue des Champions. Europa League, on va chercher une Europa Conférence peut-être. Ou Europa League, on ne sait pas. Attention, on ne sait pas, c'est pas fini. La saison n'est pas finie. Hein. Moi, je parle comme ça, je vous parle, mais la saison n'est pas finie. 2023 n'est pas finie. Donc, la saison 2023 n'est pas finie. Donc, se fait-il que Lyon peut terminer 5e. Aujourd'hui, là où je vous parle, on est 6e. Vous voyez bien le classement, on est 6e. J'espère que Lyon peut terminer 5e. Voire, je dis bien, je suis un peu gourmand, vous allez me dire 4e. Mais bon, je ne veux pas m'enflammer trop. Là, Lyon, le prochain match, c'est contre Marseille. Et ce match, je le kiffe trop contre Marseille. C'est une équipe que j'aime, Marseille. C'est pas une équipe que je taille. C'est une équipe que j'aime bien. J'aime leurs supporters, j'aime cette équipe. Mais quand ils jouent contre Lyon, il faut bien que je supporte mon équipe. Donc moi, je ne suis pas un genre de personne qui va insulter l'équipe adverse. On a battu le PSG durement. Marseille, on est capable de les battre. Mais ça va être compliqué, puisque Marseille est le même niveau que Lyon et plus même peut-être plus motivé. On va voir, on se retrouve pour la prochaine vidéo, les amis. Mais aujourd'hui, je suis content. Aujourd'hui, regardez, j'ai préparé mon thé et tout, je suis content. C'est un bon vendredi qui se termine bien avec une belle victoire. Et Lyon qui est 6e, on est à côté des places du podium pour l'Europa League et les places Ligue des Champions. Je vous cache pas, oui, c'est vrai, la Ligue des Champions, on n'en pense plus. On n'y rêve même pas, Lyon n'ira pas en Ligue des Champions. Mais peut-être en Europa League conférence ou peut-être Europa League tout court. Bon, voilà, moi, je suis content. Là, je me calme, parce que là, je suis trop émotionnel, vous allez dire. J'ai trop d'émotions, donc voilà. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Moi...